monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un DIY exfoliant au café. Donc, ça va vous prendre seulement 3 ingrédients. Le premier ingrédient, ce sera du café. En fait, j'utilise le marc de café. Le marc de café, c'est que dans le fond, vous faites un café, puis ce qui reste à l'intérieur du filtre, à la fin, bien, vous le prenez pour faire votre exfoliant. Vous pouvez aussi utiliser le marc de café qu'il y a dans les capsules. Ensuite, ça va prendre de l'huile d'olive. Ça, c'est super bon pour la peau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par de l'huile d'amande douce. Ça hydrate et ça assouplit la peau. Et pour finir, on va prendre du miel. Donc, on commence tout de suite notre recette en mettant une cuillère à soupe de marc de café. Ensuite, on met une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on termine avec une cuillère à soupe de miel. Donc, on mélange le tout. Ça va faire un très bon exfoliant pour éliminer les cellules mortes. Donc, je vous montre la texture. Ça, c'est une préparation que j'ai faite juste pour le visage. Si vous voulez la faire aussi pour le corps, vous avez juste à doubler la recette en mettant 2 cuillères à soupe pour chaque ingrédient. Donc, je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Donc, ça ressemble à ça. Pour exfolier, on a juste à faire des mouvements circulaires sur la peau. Moi, je vous conseille au préalable d'humidifier la peau pour que ce soit moins abrasif, surtout quand vous faites l'exfoliation du visage. Donc, une fois que vous avez exfolié, vous laissez agir 1 minute et après, il faut rincer à l'eau tiède. C'est important d'appliquer une crème hydratante tout de suite après avoir exfolié la peau. Il y a plusieurs avantages à utiliser le café. Si vous en mettez en dessous des cernes, c'est super bon pour les cernes. D'ailleurs, la compagnie DCM, en fait la marque The Ordinary, ont fait un produit qui s'appelle Caféine Solution qu'on peut appliquer en gouttes sous les yeux. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'aller voir. Donc, le café, c'est bon pour la cellulite, ça apporte la fermeté à la peau, ça lutte contre les varices, ça prévient leur apparition aussi. C'est un super antioxydant contre le vieillissement de la peau. Puis en plus, si vous aimez l'odeur du café, vous allez adorer cet exfoliant. Comme résultat, bien, ça donne une peau très douce. C'est un produit qui est 100% naturel et c'est fait avec des choses que tout le monde a dans sa cuisine. Ensuite, quand vous avez terminé, vous pouvez le transférer dans un joli pot que vous avez déjà préalablement nettoyé. Moi, j'en ai fait juste pour le visage, mais si vous en avez fait plus, vous allez avoir de l'espace pour en mettre dans ce pot-là. Si vous l'essayez, vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!